soyez le bienvenu sur le plateau de Célébdo. Bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. C'est sympa de dire ça. Cette phrase, elle est un peu kiffante, non? D'ailleurs, vous n'avez pas dit « je suis candidat », hein, dans l'extrait qu'on a vu, là. Hein. Vous avez dit « oui, c'est moi », mais vous n'avez pas dit... C'est dur de dire « je suis candidat à l'élection présidentielle ». Pour donner du pouvoir aux autres, non. Mais c'est dites-le pour voir. Non. Évidemment que je suis candidat. Ah, il l'a dit. Vous êtes candidat à quoi? Allez, l'élection présidentielle. C'est pas facile à pour dire. Pour donner du pouvoir. Oui, alors vous savez, il y a déjà 70 candidats. Je sais. Alors, pourquoi vous en plus? Qu'est-ce que vous apportez par rapport aux autres? Parce que, voilà. Alors, j'ai commencé par donner 3 ans de ma vie à travailler sur le terrain pour repérer les gens qui fabriquent des solutions. C'est-à-dire que ça fait des années que je travaille. J'étais encore ce matin dans le département de la Marne avec le président des maires ruraux de la Marne, Thierry Barba. Dans son village, ils ont mis en place une solution pour redynamiser un bourg-centre en créant une supérette, une structure de santé, une structure de pharmacie. Tout ça sur des fonds quasiment privés. Il y a un modèle économique. Donc j'étais en train de voir avec lui si on pouvait créer un programme national à partir d'une réussite territoriale. Et là, c'est un pays. Et ça l'intéresse. C'est un pays qu'il faut gérer. C'est-à-dire, oui. Là, vous, une solution économique assez pratique, vous observez ça sur le terrain, c'est très bien. Bien sûr. Un pays, c'est des problèmes de terrorisme, de justice, d'éducation, la diplomatie. Être président de la République, c'est une palette extrêmement large. Vous n'avez pas pu tout observer sur le terrain. Ouais. C'est pas possible. Alors d'abord, je pense fondamentalement que le gros des solutions naissent sur le terrain. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, c'est essentiel. Et à partir de la semaine prochaine, on annoncera le contenu de notre programme qui sera validé par nos mouvements citoyens. Contribuer, c'est-à-dire que si les gens veulent contribuer, ils vont sur lescitoyens1.fr et ils vont pouvoir contribuer notamment sur le comment au niveau des territoires. C'est-à-dire qu'on est absolument convaincu que ce qui marche réellement en France, c'est rarement un dispositif où vous vous retrouvez dans un bureau avec une préfète ou un préfet qui vous dit « j'ai une enveloppe qui correspond à une politique gouvernementale, on va la dépenser ». Ce n'est pas sérieux. Mmh. Aujourd'hui, je suis juste venu parler du changement de méthode. On a repéré Alexandre Jardin depuis longtemps, votre souci d'être... Vous êtes intéressé par la chose publique, votre souci d'intervenir dans le débat. Et on vous a vu dernièrement, c'était le 12 juillet, avec Emmanuel Macron. Vous étiez à la mutualité quand Emmanuel Macron lançait sa campagne. On lui a fait... Et on va regarder quelques images. Je suis rentré dans votre bureau à Bercy pour la première fois. Je vous ai dit tout de suite, qu'est-ce que vous foutez chez les morts? Cassez-vous, revenez chez les vivants. Vous vous êtes marré, ça a brisé la glace. Et quand vous m'avez proposé de venir ici le jour même du lancement en grand de En Marche, et que je vous ai dit dans quel esprit j'accepterais de venir, non pas pour me rallier, mais bien pour proposer une alliance, pour faire ensemble. Vous m'avez répondu, c'est risqué, alors on va le faire. Ce qui est frappant, Alexandre Jardin, c'est que vous êtes rapproché de beaucoup de gens, Corinne Lepage, Jean-Marie Cavada, et Macron. Puis vous vous séparez de tout le monde, vous vous fâchez avec tout le monde, au fond. C'est-à-dire, vous ne trouvez personne qui peut porter vos idées. Non, mais tout simplement... C'est curieux, ça, hein? Mais parce que d'en faire de la politique, pour moi, le verbe important, c'est faire. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je leur propose de faire, de passer à l'action. Ils ne veulent pas. Ben, à chaque fois que je fais des propositions très concrètes d'action, pour l'instant, ça ne bouge pas. Or, Macron, dans notre... il n'a pas le pouvoir, il veut l'obtenir. Non. Il ne peut pas faire. Non, pour faire temps, ce que oui. Je... Ouais, il n'est pas encore au pouvoir. Je vais vous dire très précisément, on n'a pas besoin de pouvoir pour travailler avec l'Agence pour l'éducation par le sport, qui a trouvé une solution avec le Crédit Lyonnais, qui réserve 10% de ses recrutements aux clubs de sport de banlieue. Il était ministre de l'économie à l'époque. Je lui ai proposé de venir avec des directeurs de banque pour faire le boulot. Ouais. Et il m'a dit que ce n'était pas la bonne date en com. Parce qu'on était le jour... Vous avez parlé de com. Oui. C'est-à-dire que ça ne me va pas. Ça ne veut pas dire que ce serait un mauvais candidat, un mauvais président. Non. C'est juste que ce que vous lui proposiez ne correspondait pas à ce qu'il voulait faire à un moment. C'est radical comme, oui, comme bonhomme. Hein. Je respecte les gens qui ont déjà fait. Ouais. Sur le terrain, avec les autres, avec modestie. Alors il y a quelque chose qu'on retrouve aussi tout le temps dans votre discours, Alexandre Jardin. Vous l'avez dit tout à l'heure au départ d'une réponse à Paris, ras-le-bol Paris. C'est sur le terrain que les choses se font. Alors je voudrais juste vous signaler, on va en écouter un petit passage, que des candidats anti-système et anti-Paris dans cette élection présidentielle, on n'en manquera pas. Écoutez. Les Français attendent de la sincérité et ils n'en trouvent pas dans une classe politique qui est aux abois, dans un système qui est à bout de souffle. J'ai vu de l'intérieur la vacuité de notre système politique. Je ne suis pas le candidat d'une petite élite française. Je veux être le candidat du peuple de France.
Cette liberté chèrement acquise me donne une indépendance précieuse à l'égard des intérêts de l'oligarchie qui pèse sur la France. Vous voyez bien que la classe politique française aujourd'hui, c'est comme un bocal de poisson, ça tourne en rond. Ma transgression, c'est de dire nous renouvellerons cette classe politique. Tous les gens d'Alexandre Jardin. Tous les gens du système sont contre le système. Parce que vous aussi, Alexandre Jardin, vous vivez avec talent de vos livres. On ne peut pas dire que vous êtes un exclu du système. Alors, évidemment... Du système littéraire, vous avez raison. Mais du système social, mais... des élites, des... Oh. C'est quand même curieux le poujadisme dans lequel on tombe tous. Hein. Alors, c'est curieux quand même. Hein. Alors, je pense que tout simplement, tous les gens que vous venez d'entendre sont des gens qui sont les enfants du centralisme français et qui sont d'accord pour ce centralisme. Or, le mouvement que l'on représente, les citoyens 1.fr, croit profondément en une décentralisation. C'est-à-dire que nous voulons casser ces 400 ans de verticalité. Et c'est pour ça que les maires en ce moment, notamment les maires ruraux, viennent avec nous. Parce que profondément, ce qui marche doit partir des territoires. Une dernière question, Alexandre Jardin, si vous le permettez. On a compris que l'une des raisons de votre combat, c'est lutter contre Marine Le Pen, qui pourrait bien gagner l'élection présidentielle. On veut une révolte positive, avant qu'il y en ait une négative. Je voudrais juste vous poser une question sur les électeurs de Marine Le Pen. C'est quoi ? C'est des gens perdus ou c'est des salauds ? Je comprends qu'il y ait une révolte colossale. Vous comprenez le vote de Marine Le Pen. Ça, ce sont vos mots. Non, mais ce je dis que je. Oui ou non. Non. Est-ce que vous comprenez non, non, le je n'emploie jamais les mots des autres. Je suis écrivain. Je vous dis. C'est... Je vous dis tout ça. Les grands politiciens comme vous. Non, jamais. Les... Jamais. Les jamais parce que. Eh bien. Il faut qu'il y ait une insurrection positive qui parte des territoires, qui parte des voeux. Des électeurs de Marine Le Pen. Une grande partie de ces gens ont été contraints. Il n'y a pas d'offre aujourd'hui. Si vous êtes absolument révolté. Si vous êtes enseignant, que vous subissez la réforme du collège, si vous êtes infirmière, si vous êtes des professions médicales, si vous êtes l'ensemble des professions françaises, pour l'instant, il n'y a pas d'autre issue que les extrêmes lorsque vous êtes en révolte. Il faut qu'il y ait une insurrection politique, véritablement politique. C'est les citoyens 1.fr. Et je demande une chose aux gens qui nous écoutent. Les parrainages, je n'irai pas les chercher. Ce sont les gens qui vont aller les chercher. Il faut que ce soit une aventure collective. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Il va peut-être falloir que vous alliez en chercher deux, trois. Deux, trois, hein, parce oui. Que... Il faudra passer deux, écoutez-moi, ceux qui viennent, ce sont les citoyens qui viennent. Mm. Et comme par hasard, les sept premiers m'ont tous dit la même chose. Nous n'avions donné notre signature, notre parrainage, à aucun candidat. Ah oui. C'était... Mais tous, tous. Et là-dedans, il y a beaucoup de présidents d'associations départementales de maires ruraux, c'est-à-dire de ces territoires, qui sont absolument incompris par Paris. Merci Alexandre Jardin, vous restez avec nous. Quel est votre plat préféré? Vous en avez bien, allez, ah oui. C'est quoi? Les galettes de sarrasin. Et bien les galettes de sarrasin deviendront un plat obligatoire au menu des Élysées. Et le plat national, si jamais vous êtes élu président de la République. Voilà, complète, pas complète, les galettes de sarrasin? Non, c'est possible, presque rien. Ah bon. Je veux sentir le sarrasin. Bon, des galettes qui sentent le sarrasin, ce sera le menu obligatoire de l'Élysée.